Bonjour chers enfants et fans de Playmobil. Je dois juste écrire une liste de courses. De quoi j'aurai besoin en tout? Mais j'y pense maintenant, vous pouvez regarder 3 épisodes sur le thème des courses en une fois. Amusez-vous! Génial, papa! Aujourd'hui, on fait des courses avec toi! Oui, tu pourras certainement bien m'aider. Papa, je veux sortir de là! D'accord, je te sors de là. Bon, ici, il ne se passe pas grand-chose. Tiens, une brosse à cuvette, j'aime bien. Je la ferai avec. Papa, de quoi avons-nous besoin? Maman nous a préparé la liste des courses. En premier, il nous faut de la confiture. La confiture est juste là, regarde papa. Bien. On prend à la fraise? Oui, c'est aussi bon. Bon, ensuite, il nous faut des pommes. Tiens, c'est pratique, c'est en promotion. Combien on en prend? 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. Bien. Salut, Siedra. Salut. Ah, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, tout va bien? Oui, heureux et en bonne santé. Le lait aussi est sur la liste. C'est tout derrière, sous l'étagère. On en prend 2. Dans la partie surgelée, il fait toujours froid. 1 et 2. On a aussi besoin de poissons. Il nous reste plus que 2 truites. Prends la plus grande au-dessus. Oui, elle suffira pour nous tous. Bon, prenons-la. Papa, on aura une glace? Pas aujourd'hui. On a assez de glace à la maison. Dommage. Par contre, il nous faut des œufs. Là-bas. Bien, Anna. Prends un paquet. Il y a tout ce qu'il faut maintenant? Oui. Mais on peut prendre des biscuits. Vous les aimez bien? Oh oui. Bon, nous avons pensé à tout ce qu'il faut. Allons à la caisse. Jolie fleur. Poisson. Biscuit. Fleur. Comment? Un bouquet de roses rouges? Oui, maman sera sûrement contente de les avoir. Après tout, d'accord. De lait. Confiture. Une brosse à cuvette. Une brosse à cuvette? Bah, qui l'a mis? Bon, eh bien, on peut toujours en avoir besoin. 4 pommes. Et 3 œufs d'autruche pour 40 euros. Comment? 40 euros? Qui a mis des œufs d'autruche dans le caddie? Anna, peut-être toi? Elles sont jolies quand elles sont grandes. Désolé, mais là, nous ne les prenons pas. D'accord, je vais annuler. Oh mince alors! Je vous rends 2,50€. Merci beaucoup. Au revoir! Au revoir, à la prochaine! Au revoir! Ouh là là, aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire. On doit d'abord partir à la parfumerie. Regarde, des vernis de toutes les couleurs. Oui, mais on a besoin d'un cadeau pour ta grand-mère. J'ai pensé à un parfum. Celui-là, il a l'air magnifique. Mais il sent quand même bizarre. Je pense que nous allons prendre le parfum préféré de mamie. Il a aussi un très beau flacon. Oui. Maman, je voudrais te montrer aux côtés jouets quelque chose. Ce que je voudrais pour Noël. D'accord, les jouets sont à l'étage du dessus. Youpi, on prend les escalators.
Les escalators, c'est amusant. Je veux le faire encore. Moi aussi. D'accord, vous pouvez descendre encore et monter. Je vous attends là-haut. Youpi! Cool. C'était trop marrant. Bien, maintenant on continue. On a quand même des choses à faire. Maman, je crois que j'ai vu Oncle Martin à la cabine d'essayage. Non, c'est pas possible, Léna. En ce temps-là, ton Oncle Martin travaille encore. Regarde, maman. Je souhaite avoir 7 maisons de Playmobil. Ah oui, elle est jolie. Maman, là, il y a des paquets surprises. J'en aurai un. Bon, d'accord. Chacune a droit d'en avoir un. Youpi, merci maman. Je suis impatiente de savoir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est une bien jolie robe. Essaye-la, maman. Je veux cette jupe. Non, Anna. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire. J'essaierai la robe une autre fois. On doit maintenant descendre acheter de quoi manger. Bizarre, j'ai aussi cru avoir vu Martin derrière les étagères de légumes. Maman, qu'est-ce qu'on doit acheter? Alors, je voulais cuisiner quelque chose de particulier pour les jours de fête. Des bâtonnets de poisson? Non, un truc avec des crevettes. Et après, j'aurai besoin d'une salade. J'ai trouvé une salade. Ah oui, elle est très bien. Le mieux est que j'en prenne deux. Et de quoi on aura encore besoin? Alors, on voulait aussi offrir à Madame Fischer un cadeau de Noël. Peut-être des pralinés? Oh oui! Maman, les pralinés sont là-haut, mais je n'y arrive pas. Un instant, s'il te plaît. Nous allons prendre celles-là. Elles sont superbes. Il y a vraiment du monde à la caisse. Ça va durer un petit moment avant notre tour. Bien, maintenant je l'ai. Les mains en l'air. Et on ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation. Ah! Nous vous avons surpris en flagrant délit. Les mains derrière le dos et le porte-monnaie par là. Mince alors. Je vous en prie, votre porte-monnaie. Merci beaucoup, je suis si contente. C'est pas possible. Où est mon porte-monnaie? Je suis sûre de l'avoir pris avec moi. Je suis désolée, mais je crois que... on m'a volé mon porte-monnaie. Oh non, maintenant on ne peut pas acheter les paquets surprises. J'étais si contente. Maman, c'est l'oncle Martin. Martin, attends! Salut Nicole, je n'ai malheureusement pas de temps. Je dois ramener ce voleur de sac au commissariat. Martin, on m'a volé mon porte-monnaie. Oh, ce ne serait pas par hasard celui-là? Oui, c'est celui-là. Quelle chance que tu sois justement là. Oui, et l'argent est encore dedans. Génial, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avec chance, nous avons Oncle Martin. Oh oui, quand nous partirons la prochaine fois pour faire des achats, on prendra avec nous Oncle Martin. Oh non, je voulais faire un gâteau. Mais je n'ai plus d'œufs. Je peux t'en chercher vite fait quelques-unes. Je veux aussi venir avec. Moi aussi. D'accord, vous pouvez venir. Mais on fait vite, car aujourd'hui je dois encore jardiner. C'est superbe. Je te remercie. À plus tard. Ah! Là devant, il y a une autre place de parking. Ah non,
Là, je ne passe pas dedans. Mais qu'est-ce qu'il est bête ? Comment est-ce qu'on peut se garer comme ça ? On aurait dû partir à pied. Ah, enfin, il s'en va. Papa, on a le dernier caddie. On n'en a pas besoin, on n'achète que des œufs. Si, parce que je veux m'asseoir dedans. Bon, ok. Oulala, mais qu'est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui ? C'est pas grave, il nous faut que des œufs. Papa, je peux prendre quelque chose de la boulangerie ? Oui, mais assieds-toi d'abord. Je voudrais un biscuit au beurre. Et moi un bretzel. Encore autre chose ? 2 euros, s'il vous plaît. Mince ! Ils ont rangé toutes les étagères. Où sont donc les œufs ? Papa, des biscuits et des céréales. On n'en a pas besoin. Là, il n'y a pas d'œufs. Excusez-moi ? Oui ? Où sont les œufs, s'il vous plaît ? Tout à fait derrière, vers les produits laitiers. Ok, merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a quelque chose de particulier, il y a tellement de monde. Je vois les œufs, ils sont tout à fait derrière. Ah, quand même. Excusez-moi, on peut passer ? Merci. Ah, j'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des bouchons de ce côté ? Papa, tu as maintenant réussi. Voilà les œufs. Ah, avec chance, nous avons des œufs. Papa, il n'y a plus d'œufs. Ah non, Léna, c'est pas possible. Regarde, là, en dessous, il y a un paquet plein. Quelle chance ! C'était limite. En plus, à la caisse, il n'y a pas de monde. Ça, c'est une chance. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, ne mettez plus rien sur la bande. La caisse numéro 1 ferme. Papa, je t'ai vite réjoui. Ah oui, apparemment. Je me demande si je peux encore jardiner aujourd'hui. Papa, regarde ces délicieux biscuits. Léna, on a beaucoup de biscuits à la maison. Bonjour. Bonjour. Oh, des sucreries. Des bonbons ? Oh, papa, toi aussi, tu les aimes. C'est vrai. Après ces achats, ça va me faire du bien. Merci, au revoir. Je prends les bonbons. Oh, moi aussi, je veux porter quelque chose. Bon, tu peux porter les œufs. Ok. Très bien, réussi. Ah ! Anna ! Oh non ! Anna ! Anna, les œufs ! Je n'irai pas à nouveau là-bas. Je suis désolée, papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah d'abord, il faut nettoyer. Et où est-ce que je vais mettre tout ça maintenant ? Derrière là, la poubelle. Bah, qu'est-ce que c'est ? C'est un vendeur d'œufs ? Oui, c'est génial, papa. Bonjour. J'aimerais bien un paquet d'œufs, s'il vous plaît. Papa, la prochaine fois, on ira plus tard, puisque le vendeur est là. Non, la prochaine fois, c'est maman qui ira elle-même. J'ai fini ma liste de courses. Ici, vous pouvez vous abonner ou sélectionner une autre histoire. J'espère te revoir bientôt. À bientôt. Au revoir.